Bonjour à tous, c'est John Jodan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les amis, on va tester le fameux Satank Intelligence qui revient dans le game et qui revient plutôt très bien, vous allez voir, hein. Vraiment une carte qu'on pourra jouer un peu n'importe où, hein, qui pourra faire le taf, qui pourra vous sauver la mise, donc c'est vraiment pas mal. Alors, l'arbre de compétences, je l'avais déjà dit lors de la vidéo analyse, mais c'est vous qui voyez, c'est-à-dire que... Bah en fait, quand il part en speed, il a une défense correcte, hein, c'est-à-dire qu'on tourne à 500k, voire plus si additionnel. Et les dégâts, bon, il fait pas grand-chose, hein, ça tourne à 3-4 millions, donc... à vous de voir, si vous décidez d'aller chercher peut-être un petit peu plus de défense pour aller chercher moins de dégâts subis, notamment quand on est assez haut dans les PV, et que la réduction n'est pas très élevée, ou alors, vous dites, ok, Balek, full esquive, et puis voilà. Donc, c'est vous qui voyez. Alors personnellement c'est vrai que les dégâts sont vraiment pas ouf, donc je vais peut-être retirer un peu de crit et mettre de l'esquive. Mais je vais peut-être laisser l'attaque sup parce que encore une fois quand on est assez haut dans les PV, et bah entre ces 50% de réduc minimum et la def qu'on peut avoir, c'est pas si mal en vrai, hein. Donc c'est quand même plutôt cool. Alors d'ailleurs je précise un truc ici parce qu'on m'a donné l'information hier quand on testait le perso, mais la réduction comment ça marche? Alors précisément du coup quand t'es à 100% PV, enfin entre 100% et 80%, tu as 50% de réduction. Quand t'es entre 60 et 80, tu as du coup 60. Quand tu es entre 40 et 60, tu as 70. Quand tu es entre 20 et 40, tu as 80. Et en dessous de 20, tu as 90. Voilà, normalement, si je ne me suis pas trompé, ça fonctionne comme ça. Et la réduction, elle est dynamique. C'est-à-dire que si vous vous faites taper pendant le tour et que vous perdez des PV, eh bien, il va monter en réduction. Par contre, à l'inverse, si vous soignez d'une manière ou d'une autre, vous allez perdre en réduction. Donc après, c'est... avantage inconvénient, mais c'est quand même plutôt un avantage, je trouve, puisqu'on a tendance, pourquoi pas, à perdre des PV au début de la rotation, et après le perso sera meilleur, sachant qu'on va pas forcément le garder, en tout cas au début du combat, après ça dépend des cas de figure, mais donc voilà, donc c'est quand même plutôt une bonne chose. Voilà, donc alors il est lien 10, je l'ai monté lien 10, histoire de le monter lien 10, parce que j'ai utilisé des clés et tout, mais bon ça sert pas à grand chose, alors on va faire in-game, on le joue à côté d'un autre Satan juste pour rigoler, mais bon évidemment... voilà, c'est pas du tout important, hein, sur ce perso, hein, on s'en fout complètement. Voilà, bon allez, sur ce, on passe au gameplay. Alors, bon, évidemment... Ah, c'est vrai qu'on avait pas tout, en vrai, mais... mais bon, ouais, c'est juste pour... juste pour faire une fois, mais... donc ça fait 700 KDF, incroyable. Bon. Pas mal, hein, avec au minimum 50% de réduction, tout ça, incroyable. Sauf que non, parce qu'en fait, là on proc les liens, mais... voilà, en vrai c'est plutôt ça. Donc 127, 2.5, 1.5, voilà. Enfin, ça c'est un peu ce qu'on avait vu. Donc non, c'est plutôt ça, voilà, quasi 500 KDF, et bah après, voilà, au moins 50% de réduc, l'esquive, hein, 60% d'esquive. En vrai, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Bon, après... enfin, c'est pas mal, ouais, une fois qu'on a attaqué. Parce que là, tant qu'on doit pas attaquer, c'est quand même excessivement risqué. Parce que, voilà, vu qu'on est full PV, bon... ça va pas être fou. Alors après, c'est vrai que du coup, j'aurais pas dû jouer à la Team Boo. Parce qu'en fait, on va pas perdre de PV. Bon, puis on changera après, c'est pas grave, mais... parce que là, si on veut tenter d'avoir pas beaucoup de PV... mais après, par contre, ça fait un très très bon slot 3 en vrai. Hein. Voir slot. En fait, ça fait par défaut un bon slot 1. Enfin, slot 3, pardon. Et en fait, bah, suivant le combat, comment il se déroule, tu pourrais le mettre en slot 1 si jamais il y a besoin, quoi. Enfin, si à un moment c'est plus intéressant. Mais de base, ça fait un très très bon slot 3 en vrai. Hein. Incroyable. Il l'avait pas tué. RC, l'item mémoire Bulma. 203, incroyable. Incroyable, 760k dans ces conditions, incroyable. Sachant qu'il est pas lead à 200, exceptionnel. Ah allez.
En vrai, on n'est pas... Enfin, c'est... Ben voilà, on tanque pas. Hein. Avant d'avoir attaqué. On peut esquiver. Ah bah voilà, Tenshin Han. Incroyable. Ah ouais, c'est beau quand même. Satan. Satan et Bou. Et Bou. Là, ça tend que. Ils ont des avantages, hein, donc. Ils ont des full PV, donc on va pas faire grand chose. Hein. Esquive! D'ailleurs, voilà. Faut bien qu'on perde des PV un moment. Hein. Putain, mais Charo, pas de chance avec l'additionnel 70 hein, sur Gohan. Hein. Un délire. Hein. En plus, j'ai pas envie de régène, putain, pour végétaux. En plus, c'est 70 végétaux, c'est pas... Oui, c'est pas 77, hein. Ah, si, si, c'est 77, ça... Bah, faut pas qu'on régène plus, quoi. Voilà, je prends un risque, hein, clairement. Ouais... De toute façon, là, après l'attaque, c'est sûr, ça tanque les autos, c'est sûr, mais... Quoi, je... Putain, cette première phase, elle est chiante, parce qu'avec le lock de à chaque fois d'un perso, le combat, il avance pas, quoi.
Après, je sais pas, parce que si c'est dynamique et que je régène avec les kits derrière. Ouais, on est à 70%. Pas tant réduit que ça non plus, en vrai. Je sais pas, faudrait que je demande à Hydralou. Oh, direct, esquive! Comment il marche déjà le passif, à quel niveau de PV, quel pourcentage quoi. Et on se fait pas toucher en auto. Bon après en même temps c'est pas très choquant. Allez allez allez, on tape, on tape, on tape, on tape. Vite. Vite, vite, vite. Voilà, c'est ça. Non mais ça tank, c'est cool hein. Ça peut vraiment dépanner de ouf quoi. Un petit peu de réussite. Ah j'ai végétose. Ah là. Voilà là on est assez bas dans les PV en théorie. Satan qui... Bah, ouais il est goldé là en théorie. En théorie c'est goldé là hein. Après, faut voir combien, mais ouais. Ah bah. Ouais, bah après, s'il esquive, je sais pas quoi. J'ai pas changé mes items, j'aurais dû prendre l'item pour les... Oh non, je vais me faire lock. Bon, on va faire ça. Ouais, ouais, ouais. Là, on se fait toucher, ouais. Bah, ça a l'air d'être dynamique, hein. Effectivement. Oh, ça pique un peu, Boucolo, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ça picote, hein. Ça pique, Boucolo, hein. Ça pique. Oh là 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 là, mais... Mais arrêtez-le. Arrêtez-le. En fait, c'est pas évident à tester parce que c'est dans des situations des fois où t'es dans la merde où il pourrait te sauver la bise, mais c'est pas évident à reproduire quoi. Que je fasse quoi? Bon, on met le mec. Mec, il fait 0 SP, que je fasse quoi? Il va SP maintenant? Même pas. Qu'est-ce que je fasse?
Ah mais VB, le problème c'est qu'on va on va prendre trop de dégâts quoi. Après, on peut tenter, mais. Qu'on se fait toucher. Ouais, bah. Je pense que. À mon avis, la full réduc, elle doit être assez basse, hein, je pense, hein, quand même. Après, tu me diras l'auto. Ouais, non, l'auto, elle est à combien. Je sais plus, elle est à combien avant le buff. Après, le truc, c'est que là, c'était avant l'attaque, mais. Ouais, faudrait que je confirme, mais. Bon, après, de toute façon, dans tous les cas, comme je l'ai dit. Ouais, le perso peut venir un peu dans n'importe quel team. Mais genre tu vas pas le garder devant, à part quand t'es bas PV, tu peux te le permettre quoi. Mais genre, tu le mets en 3 et ça fait le taf. Quoi. Peu importe. Bon alors Végéto, on est fatigué. Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Bah alors, mais on m'a dit qu'il tapait 0, bordel de merde. On m'a dit ça fait pas de dégâts. Deuxième SP peut-être à récupérer. Oui, oui, oui. Bah, si tu veux, hein, mais. Comment t'expliquer? Est-ce que je tente le... Allez. Ah, je sais pas où ils ont été le chercher non plus, mais... En tout cas, il est bien. Hein. Bon bah ciao Végéto, des bisous hein. Tellement facile avec cette team, c'est un délire quoi. Ah mais moi c'est pareil en fait, les spé de Gohan en fait, plus je les vois, plus je les aime en fait, c'est... Surtout que c'est je sais pas aller à combien en fait. On va y aller comme ça, on va voir. Après évidemment, s'il fait pas de spé, on va pas y arriver, mais...
Bon, bah... avoir déjà les autos, peut-être, je ne sais pas. Ok, ça tanque les autos, là. Bon, elles sont pas augmentées, mais... mais bon, ouais, elles sont quand même à... je sais plus... Et... là, c'est du 2. Une facilité... laisse tomber, quoi. Bon, bah, en tout cas, ça tanque... ça tanque, hein, ça tanque. Voilà, c'est cool, hein, c'est un bon petit perso. Dès qu'il est dispo, bah, ça se ramène. Ça se ramène, quoi. Et puis, voilà. Alors, après, évidemment, il pourra pas toujours tout gérer et tout, mais dans bien des situations, ça fera le taf, hein.